La semaine africaine des sciences au Burundi continue. Il est au troisième jour. Les activités de ce mercredi se sont effectuées dans les locaux de l'Institut de pédagogie appliquée IPEA dans l'avant-midi où on a prononcé les différentes allocutions d'ouverture et plusieurs présentations toutes basées sur le thème suivant. Utiliser les technologies pour susciter la vocation pour les sciences. L'après-midi de cette journée a été marqué par les travaux en groupe au CELAB. Appelez les différents modes d'ouverture que vous allez suivre en intégralité. Vous suivez aussi les différentes présentations qui ont marqué les activités de cette journée. Je voudrais vous souhaiter tous la bienvenue pour que ces travaux soient fructueux. Que la journée que vous allez passer ici soit une bonne journée, une journée de retrouvailles pour les gens qui ont fréquenté cet institut et qui sont dans la vie courante actuellement. Je voudrais saluer ici les invités qui viennent de l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu qui ont bien voulu se joindre à nous. Mais comme on est en train de parler de l'IPEA, je ne saurais manquer de parler brièvement de ce que nous faisons ici. L'Institut de pédagogie appliquée est une institution universitaire qui dispense de façon spécifique un enseignement professionnel orienté vers le métier de l'enseignant. Jusqu'aujourd'hui, nous avons 6 départements dont 3 qui dispensent une formation en langue, le français, l'anglais, le kirundi et actuellement le kiswahili. Le kiswahili, c'est une langue enseignée à l'école secondaire, mais malheureusement, où les enseignants manquent, aux directeurs qui sont ici. L'IPEA dispose de cette ressource et vous pouvez compter sur eux pour améliorer le niveau de la langue kiswahili dans vos écoles respectives. L'IPEA dispense aussi une formation en sciences, je veux dire les mathématiques, la physique, la chimie et la biologie. Et depuis 2003-2004, nous avons adopté le système BMD et le programme de master sera conduit conjointement avec l'école normale supérieure dès l'année académique prochaine. À l'IPEA, l'objectif de la formation est donner à l'étudiant des savoir-faire et des compétences nécessaires pour la vie professionnelle de l'enseignant-chercheur. Mais outre la formation classique dispensée, l'IPEA intervient aussi dans l'encadrement des enseignants. Surtout, nous sommes déjà intervenus à l'école fondamentale en actualisant les méthodes d'enseignement et les documents scolaires en usage actuellement. L'IPEA est appelé à revoir son offre de formation pour qu'elle réponde exactement aux attentes du palier du secondaire, tant en termes de la qualité de l'enseignant à former que de son aptitude à entreprendre les études post-universitaires. À travers le CERNES, qui est affilié à l'IPEA, nous essayons de donner un sens à la science, en la rendant plus visible, en la rendant plus pratique, en la rendant plus utile. Ainsi, dans le sens de rendre les services à la communauté, le CERDES travaille avec les écoles secondaires, les clubs de sciences et les professeurs qui veulent promouvoir l'enseignement de qualité. Mesdames, Messieurs, susciter la vocation scientifique chez les jeunes
passent par une formation de qualité et ceci constitue notre préoccupation aujourd'hui. Susciter l'engouement des jeunes aux sciences aujourd'hui n'est pas chose facile dans l'environnement social actuel. Nous devons pourtant nous y atteler, car quoi qu'il arrive, le développement durable passera par l'économie du savoir. Si je tiens de tels propos, c'est que l'appât du gain facile guette de plus en plus nos jeunes. La carrière scientifique qui ne traduit pas l'aisance matérielle ne les attire plus. J'éprouve particulièrement de la peine en tant qu'enseignant et parent lorsque je vois que de plus en plus chez les jeunes, le goût de l'effort s'effrite. J'éprouve de la peine lorsque je vois que, au lieu de la recherche de l'intelligence, l'intelligence cède de plus en plus place à la ruse, alors que l'excellence n'intéresse plus. Vous comprenez que la communauté universitaire doit tenir bon. Elle doit placer la science au-dessus de tout. Enfin, votre présence parmi nous nous encourage énormément. En plus des échanges que nous allons mener, vous avez accepté de partager votre produit, les publications scientifiques auxquelles nous allons participer activement. Cela constitue un éveil pour nos chercheurs. Nos chercheurs qui axent leur recherche au niveau de la didactique des sciences, mais aussi au niveau des disciplines, de leur discipline de départ. Lorsque la science est partagée, c'est comme une lanterne qui brille. Mais lorsque les publications sont cachées, c'est comme une lampe éteinte et ne sert plus à rien. Je voudrais encourager et féliciter ceux qui vont nous partager leur présentation parce que nous espérons beaucoup d'eux. Madame, Monsieur, en vos titres et qualités, je termine mon propos de bienvenue en réitérant ma reconnaissance. Je vous souhaite encore une fois de passer un moment agréable pour tout le temps que vous allez passer au campus de Réau. Je vous remercie. J'aimerais d'abord vous remercier pour votre présence dans les activités de cette troisième journée de la semaine. Le premier jour était dédié à la recherche et nous avons vu que pour atteindre le développement d'un pays, il faut d'abord développer la recherche. Là, je cite le directeur de la recherche qui est avec nous. Et pour notre cas, le CERDES, il s'agira d'appliquer en milieu scolaire ce qu'on appelle communément recherche en milieu scolaire. Et le deuxième jour, hier, a été riche en activités, conférences, choix des Miss et meilleures femmes scientifiques. Les activités de ce troisième jour de la semaine coïncide très bien avec les activités que nous avions l'habitude d'organiser, ça je dis au niveau du CERDES, dont je suis aussi le représentant. C'est depuis 2012 qu'on fait de telles manifestations.
Pour ceux qui ne sont pas au courant, Ronext est un forum où nous sommes avec son ambassadeur, est une initiative de l'Institut africain des mathématiques lancée en 2013. Ronef est une plateforme qui relie la science, la société, les décideurs, les politiques en Afrique et dans le reste du monde pour tirer parti de la science au profit du développement humain à l'échelle mondiale. Ronef estime que les contributions de l'Afrique à la communauté scientifique mondiale sont essentielles pour le progrès mondial. Au centre des efforts du NEF se trouve le jeune d'Afrique, moteur de la renaissance scientifique de l'Afrique. La semaine africaine de la science du NEF est une célébration annuelle africaine de la science et de la technologie avec des milliers de personnes comme les étudiants, les scientifiques, les technologues, participant activement à des événements scientifiques coordonnés à travers le continent. Il veut encourager les citoyens à s'impliquer activement et s'intéresser aux sciences, à la technologie, ainsi qu'à leur impact sur la vie quotidienne de la société. C'est une initiative du NEF et ce dernier collabore avec les institutions de chaque pays intéressé. Pour le cas du Burundi, le NEF collabore avec l'Université du Burundi à travers le CERDES et l'école doctorale. Mais comme c'est une activité annuelle, c'est la première fois au Burundi, c'est la deuxième fois en Afrique. Dans les années à venir, comme nous avons la chance d'être avec le représentant du ministère, et comme c'est une activité d'ampleur nationale, on aimerait que dans les années à venir, que ça soit pris large et que ça soit organisé au niveau ministériel pour impliquer toutes les universités. Distingués invités, en vos titres et qualités, mesdames, messieurs, le thème choisi pour cette année est « Susciter la vocation pour les sciences ». Et les objectifs sont « Stimuler la jeunesse burundaise à entreprendre les carrières scientifiques », « Contribuer à mettre la science au service de la société burundaise », « Contribuer à combler le gap lié à la participation de la femme et de la fille dans les progrès de la science et technologie au Burundi », et en fait de contribuer à la restauration d'une culture scientifique au sein de la société burundaise. Dans ce thème de la semaine, et pour atteindre ces objectifs, le rôle de l'enseignant est prépondérant. C'est pourquoi ce troisième jour a été dédié aux conférences scientifiques en rapport avec l'enseignement des sciences. Ça tombe bien parce que le gouvernement, avec l'appui de l'UNESCO, a mis en place une commission dont quelques-uns parmi nous font partie, qui est en train de travailler sur la politique enseignante. Vous êtes interpellés en cette troisième journée à donner des idées qui vont dans le sens d'arriver à une éducation de qualité. C'est notamment Nelson Mandela qui disait que si vous voulez changer la communauté, il faut absolument s'intéresser à l'éducation. Des discussions déjà menées nous montrent que les milieux scolaires et académiques sont des bons canevas de transmission de bonnes pratiques dans la société. Distingués invités en vos titres et qualités, mesdames, messieurs, les spécificités de cette semaine sont que l'organisation des présentes conférences se situe dans le cadre de plus large. Nous avons une semaine au lieu d'avoir un jour ou deux, et plusieurs partenaires sont en collaboration. D'autres nouveautés, c'est que les chercheurs du côté des langues ont été associés, et le fait d'organiser cet atelier sur le campus de Rohero, où il y a l'IPA, qui forme les enseignants des sciences et des autres domaines aussi. C'est un pas en avant, c'est un atout. Parce qu'au niveau de l'IPA, c'est la seule institution, l'institut où on trouve à la fois les scientifiques et les littéraires. Donc, ils peuvent se demander pourquoi le CERDES a pris tenir ses activités depuis 2012, malgré les difficultés d'appui financier quelquefois.
La réponse est que OCLDES a des principes de base que nous voudrions partager en un peu de mots. D'abord, notre devise, c'est que c'est science au service de la société. Nous voudrions que les intellectuels, surtout ceux qui ont eu la chance de terminer des études, d'avoir des diplômes même les plus élevés au monde, qu'ils puissent chercher à valoriser ces connaissances au profit des autres. Un vrai membre du CERDES doit être très fier lorsqu'il aide les autres. Pour y arriver, nous devons travailler avec le cœur, la tête de l'aimer, et ça c'est selon la paix à force. Au lycée au Kiminal, j'ai vu le directeur. C'est avec amour que nous devons travailler, en réfléchissant, en échangeant pour susciter les innovations et oser mettre la main dans la pâte. Avoir étudié ne signifie pas que tu ne travailles pas avec les mains. Essayer d'éviter le corps blanc, ça c'est le terme qu'il avait utilisé en vocab. L'adage qui nous aide est si je ne savais, si je ne pouvais. Et dans la salle ici où nous sommes avec des étudiants, avec des enseignants, avec des professeurs d'université, avec les autorités. Et nous sommes à différents âges, avec des âges variés. Et nous sommes venus de différentes localités, Bukavu, Makamba, Chibitoke, Bujumbura, ainsi de suite. Cette diversité devait nous aider à faire avancer les activités de nos institutions. Aussi, nous nous appuyons sur les citations comme celle de la Bélé, « Science sans conscience n'est que l'une de l'âme ». Et aussi, il y a un scientifique qui expliquait le succès des chercheurs, qu'ils ont choisi des questions dont ils pouvaient obtenir les réponses par des méthodes scientifiques, et non des questions auxquelles la science ne pouvait pas trouver de réponse, même si ces questions pouvaient être importantes. Et notre conviction, c'est que l'éducation de la qualité est la base de tout développement d'un pays, et le développement amène la paix. Et notre approche aussi, nous faisons du principe de partir du simple au compliqué. C'est comme ça que nous parvenons à organiser régulièrement ce genre d'activités. Et nous sommes partisans de la simplicité, avec la conviction que chacun peut apporter ce qu'il a. Nous mettons en avant aussi l'échange d'expérience. Aller voir ce qui se fait ailleurs. Si les autres ont pu se développer, pourquoi pas ici chez nous. Dans le jargon académique, c'est ce que nous pouvons appeler formation postdoctorale, qui est encouragée à commencer par les pays voisins, dans notre région, en Afrique et au monde. De la direction de l'Université du Burundi, il m'est particulièrement agréable de présider ce matin les cérémonies d'ouverture de cette série de conférences scientifiques sur l'enseignement des sciences. Le thème retenu pour aujourd'hui porte sur l'utilisation des technologies pour susciter les vocations en sciences et technologies. Notre institution est particulièrement fière et honorée. Cette activité
entrant dans le cadre des activités de dissémination des résultats de la recherche et partant de transfert de bonnes pratiques. Et pour rappel, ça a été signalé avant, cette journée d'aujourd'hui s'inscrit dans la suite des activités inscrites à l'agenda de la Semaine africaine des sciences du Next Day Forum au Burundi. Distingués participants, mesdames, messieurs, et à côté des missions d'enseignement et de service à la communauté, l'université, en tant qu'institution d'enseignement de haut niveau, a entre autres missions la recherche, notamment une recherche qui soit orientée vers la production des impacts et dans la communauté scientifique et dans la société en général. L'Université du Burundi, via sa direction de la recherche et de l'innovation, soutient donc de telles initiatives visant à promouvoir le secteur des sciences et technologies ainsi que l'amélioration de la qualité de l'enseignement en général et des sciences en particulier. Je saisis d'ailleurs cette opportunité qui m'est offerte pour rappeler encore une fois que l'Université du Burundi a entrepris depuis 2016 une série d'initiatives visant la réorganisation de la cartographie de la recherche de notre chère institution, ceci en vue d'améliorer, en vue d'augmenter sa production scientifique et diversifier la gamme des services qu'elle rend à la société. Une conviction est que la recherche et le développement doit nécessairement passer par le développement de la recherche, dit-on. Distingués participants, mesdames, messieurs, au cours de ces dernières années, l'Afrique et le Burundi ont en effet accompli d'importants progrès dans l'accès à l'enseignement primaire. Mais le niveau en lecture, et particulièrement en mathématiques, demeure très faible si on en croit à différentes études. Alors, que pouvons-nous apprendre des bonnes pratiques des pays qui affichent les meilleurs systèmes éducatifs tels que la Corée du Sud, Singapour, Finlande et autres en matière d'enseignement et d'apprentissage de la lecture et des mathématiques à tous les niveaux de la scolarité. Une mission de gens d'expérience dans ces pays s'avère nécessaire. Ici, il revient aux différents responsables, aux différents intervenants de s'y pencher et cela est réalisable à court terme avec l'appui de nos partenaires traditionnels et potentiels. Et bien, pourquoi cette mission des gens d'expérience? Au vu des changements démographiques, économiques et sociaux auxquels fait face le pays, et quel type de compétences scientifiques, technologiques et autres faut-il développer pour répondre aux demandes du marché de travail d'aujourd'hui et de demain? Donc la motivation de l'organisation de cette mission d'échange d'expérience émane de cette préoccupation. Je vous invite donc déjà, chers collègues, à mener une réflexion sur les modalités de développement d'un projet de mobilisation des ressources auprès des partenaires potentiels en vue aussi de pérenniser la semaine des sciences à rythme annuel. Distingués participants, mesdames, messieurs, le format de ce rendez-vous scientifique organisé en séance de communication en plénière et en travaux en groupe va permettre non seulement le renforcement de vos capacités individuelles et collectives, mais aussi l'élaboration d'un projet, d'une ébauche de plan d'action avec en son sein des propositions concrètes pour susciter les vocations en sciences et technologies au Burundi. Vous êtes donc interpellé, chaque participant, à arrêter des stratégies pour une action plus efficace afin d'amener les candidats potentiels à tous les paliers à avoir plus d'engouement pour les sciences. Distingués participants, mesdames, messieurs, je ne saurais terminer sans rappeler que cette activité a été supportée par les partenaires de l'Institut africain de mathématiques
que ces derniers soient rassurés de la reconnaissance de leur contribution à la réussite de cet événement. Enfin, je souhaite une excellente journée à tout un chacun et un bon séjour à l'Université du Burundi. Je suis pertinemment convaincu de la vitalité des échanges et de l'enrichissement mutuel qui s'en dégagera. Et je félicite d'ores et déjà le comité d'organisation de cette semaine dédiée à la science. Sur ce, je déclare ouvert les travaux marquant l'ouverture de la série de conférences sur l'enseignement des sciences sur le thème « Utiliser les technologies pour susciter les vocations en sciences et technologies ». Que l'enseignement des sciences en langue maternelle est faisable, c'est possible, c'est même plus efficace qu'en langue étrangère. Les raisons étant que, au niveau psychologique, si vous enseignez les sciences en langue étrangère, ça reste étranger. Et puis, au niveau de la pensée et de l'intégration, je parlais de l'intégration des sciences dans la société, on ne peut pas intégrer des choses qui sont parlées en langue étrangère, qui sont étrangères à la vie de la famille. Donc, il faut enseigner les sciences en langue qu'on parle à la maison. Comme ça, on pourra intégrer les sciences dans la communauté, dans la vie de tous les jours. Et donc, je disais, comment les étapes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les élites, les gens qui comprennent cette science, traduisent certains mots hein, dans la langue maternelle, et puis s'entendent sur le sens. Et puis, les termes qui sont difficiles à trouver en correspondant à la langue maternelle, on peut forger. Je disais que Ipanaro, Chati, c'était pas du Kirundi, mais on a rundisé. Donc on peut rundiser certains termes. Et comme ça, on évite le problème de compréhension dû à la langue pour comprendre la science. Et ça, c'est évité. Et du coup, et puis on va seulement s'attaquer au problème de compréhension de la science. Mais en évitant le problème de la langue. Bon, j'ai montré que dans les pays du G20, la plupart de ces pays enseignent la science en langue maternelle. Donc la langue qu'on parle à la maison, c'est la langue d'enseignement, ça coïncide. Mais ce n'est pas à dire que ces pays-là n'ont pas été colonisés ou pauvres ou avec des influences étrangères. La langue qui a été beaucoup utilisée en science, c'était la langue anglaise. Mais ils ont dû traduire ces livres écrits en anglais ou en français en leur langue, notamment la Corée du Sud. Je parlais de la Corée du Sud qui a pu émerger jusqu'à atteindre le niveau des G20. Ils exportent des voitures. Leur système d'enseignement est vraiment très bon. Donc la Finlande, Israël en fait, je parlais d'Israël. L'hébreu a été oublié, mais on a forgé l'hébreu, on a fait le dictionnaire, puis on enseigne en hébreu et en anglais aussi. La Chine s'est développée. Et la plupart de ces gens ont étudié en Europe ou en Amérique, mais ils ont dû traduire en chinois la science. Puis ils enseignent même à l'université les sciences en chinois. Bon, il faut une synergie. Je disais que nous avons besoin d'experts en plusieurs domaines, notamment en Kirundi, en anglais aussi, parce que nous allons traduire à partir de l'anglais, et puis des scientifiques. Bon, à partir aussi des décideurs, il faut qu'on organise des gens qui pourront le faire. Il faut traduire certains mots, je le disais. Donc c'est en collaboration avec les spécialistes dans ces langues-là, bon, en anglais, en français ou en kirundi aussi. Je dirais que l'état des lieux de l'enseignement des sciences à Burundi pourrait être articulé en deux temps. D'abord, il y a son enseignement, l'enseignement qu'on fait en classe, mais il y a aussi la recherche, parce que c'est la recherche qui finalement donne la matière à l'enseignement des sciences. Alors, par rapport à l'état des lieux de l'enseignement des sciences, il faut d'abord constater qu'au Burundi,
on entend souvent les gens dire, quand par exemple un étudiant sort de la classe de mathématiques, dire « qu'est-ce que je vais faire dans la vie de ces mathématiques ?» On l'a déjà entendu, mais il y a aussi cet état des lieux de nous les enseignants qui ne savent pas captiver les étudiants, susciter l'intérêt des étudiants pour qu'ils aiment les sciences. Par exemple, on entendra un enseignant dire « oh, en fait, vous savez, les mathématiques ne sont pas faites pour tout le monde. » Quand un enseignant dit que les mathématiques ne sont pas faites pour tout le monde, donc il a déjà fait une discrimination parce que les étudiants qui se croient moins forts, ils vont du coup être désintéressés, et donc du coup, ça réduit la capacité d'apprentissage, ça réduit l'engouement d'apprendre les sciences. Mais normalement, l'enseignant devrait être à la hauteur de montrer à quoi servira la science qu'il est en train d'enseigner dans la vie de tous les jours, dans la vie de la communauté, parce que normalement la science elle vient pour résoudre des problèmes de la communauté. Alors il y a aussi la recherche. Alors au niveau de la recherche, il faut comprendre que quand on fait la recherche, on ne fait la recherche que quand il y a un problème en général. Bah, il y a la sécheresse, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a la diminution de la production agricole, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a une maladie, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais aussi des fois, ça peut provenir d'une discussion qu'on fait avec des gens ou d'un pari. Vous pariez avec quelqu'un, si on fait comme ça, on trouve ça, et toi tu dis non. Et alors à la fin, c'est la recherche qui va départager les gens qui ont parié. Et donc, je vous dirais de façon générale, la recherche devrait contribuer à résoudre les problèmes que le chercheur a déjà constatés dans la communauté. Et les défis, par exemple, au Burundi sont nombreux. Il y a l'érosion, il y a la sécheresse, il y a la réduction de la production agricole. Donc, il y a plein de défis auxquels la science et les chercheurs burundais devraient consacrer leur temps et pour aider la communauté à bien évoluer et avoir un bon être humain et socio-économique. Je vais dire à ces jeunes que, en fait, tout ce qu'on fait, même la caméra qui est devant moi, même le micro que vous avez, c'est de la science. Et que finalement, la science, c'est la mère de l'existence de l'humanité. Et donc, normalement, faire les sciences, ça devrait aider ces jeunes à contribuer, à construire le pays, à construire l'humanité, à contribuer à donner un bien-être et un développement socio-économique de leur famille, du pays et de la planète.